Bonjour à tous, en ce samedi matin ensoleillé. Donc moi je voulais parler d'un sujet en fait. J'aimerais dire le bonheur. Quand on demande à quelqu'un par exemple s'il est content avec ce qu'il gagne, par exemple son salaire. Ce qui m'étonne c'est que les gens ne sont pas contents par rapport parce que, enfin, c'est pas parce que le salaire répond à leurs besoins, mais en fait, ils sont contents en faisant référence aux autres. Je trouve ça bizarre. Par exemple, si tu donnes comme ça 100 euros à quelqu'un, la personne va être contente, bien sûr. Sans rien faire, il a un cadeau de 100 euros. Par contre, si en même temps, tu donnes à quelqu'un d'autre, disons, tu donnes à quelqu'un d'autre le triple, 300 euros. La personne qui était contente parce qu'on lui a dit donner gratuitement 100 euros sera moins contente s'il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu gratuitement 300 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ça fonctionne partout. Par exemple, parlons de l'entrepreneuriat et des voitures. J'aime les voitures. Tesla a baissé le prix de ses voitures. Quand les gens ont payé les voitures, en fait, ceux qui ont acheté avant, ils étaient contents. Quand on leur dit, ça coûte 40 000 euros, ils accordent cette valeur à la voiture, donc ils paient. Ils se disent, 40 000 euros, je paie. Après, 6 mois plus tard, on baisse le prix à 35 000 euros. Et là, ils commencent à faire grève, à ne pas être contents, alors que ils sont même d'accord que la valeur de la voiture est à 40 000 euros. Mais pourquoi on n'est pas content? Pourquoi on essaie de se révolter, de faire connaître, faire savoir son mécontentement? C'est parce que les autres ont droit à 5 000 euros de moins. Et c'est un peu malsain. Pourquoi en fait on ne se réfère pas par rapport à ce qu'on a, mais on se réfère surtout par rapport à ce que les autres ont? Je trouve ça un peu bizarre et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. C'est que si on fait quelque chose, on doit être content par rapport à notre valeur. Par exemple, si je sors dehors et que j'ai envie de payer un t-shirt à 45 euros, c'est la valeur que j'accorde au t-shirt. Donc, s'il y a d'autres gens qui l'achètent à 10, ça ne doit pas être mon problème. Ok? Sinon, si je n'étais pas d'accord avec le prix de 45, j'aurais dû juste, depuis le début, ne pas acheter le t-shirt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est ce que je trouve bizarre avec nous, les humains. C'est que notre bonheur, en fait, dépend des autres. On devrait être content par nous-mêmes parce que je suis d'accord de payer ce prix, mais pas parce que les autres ont payé plus ou moins. Ok? Donc, c'est un peu mon partage de ce samedi matin. Et il fait très chaud. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon week-end.